J'ai bien reçu votre message, Annie. Je vous aiderai si je le peux. Personne ne pourra m'aider. L'irréparable ne peut jamais s'arranger. Dieu a le pouvoir de tout arranger. Faites-lui seulement confiance. Je ne suis même pas capable d'en parler. C'est bon signe que Dieu ait guidé vos pas vers moi. Il désire que je vous délivre de votre fardeau. Il y a eu un meurtre. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, Finn. Salut, Gail. Qu'est-ce que tu fiches là ce matin? Je suis même pas rentrée chez moi, l'affaire Ramona. Exagère, Gail. C'est à se demander si tu t'en fais pas plus pour ces malfrats que pour toi-même. C'est mon boulot, Phil. Je sais, oui. Mais il faut penser à l'oublier de temps en temps. Ça peut être sympa d'avoir une vie à soi. Détendez-vous, Annie. Vous allez vous asseoir ici et je vais chercher la personne à qui vous pourrez parler. Bonjour, Steve. Bonjour. Annie, je vous présente le lieutenant Driscoll. Steve, Annie voudrait vous parler de quelque chose d'important. Non, je suis désolée. C'est rien, seulement j'ai fait quelques mauvais rêves ces jours-ci. Je me réveille la nuit, j'ai des visions. Moi. Annie. Attendez une seconde. Nous avons quelqu'un ici qui saura mieux vous écouter. Je vous en prie, restez assise, Annie. Non, il faut que je rentre. Assurons-nous là tous les deux. Vous vous appelez Anne, c'est ça? Oui. Anne Nolan. Et vous habitez où? Pourquoi vous voulez savoir où j'habite? Oh, c'est simplement une formalité. Je note, on met ça dans un dossier, on l'oublie ensuite. 23 Lincoln Road. Parfait. Gail. Je te présente Anne Nolan. Je crois qu'elle a envie de parler, mais elle est un peu timide. Bonjour. Gail est psychologue et elle travaille avec nous quelquefois. Je suis absolument sûr qu'elle peut vous aider, Anne. Très heureuse de faire votre connaissance. Je peux pas, non. Quoi, cette histoire? Elle a parlé de cauchemars, c'est tout. Elle voulait nous dire quelque chose à propos d'un meurtre, mais elle est trop troublée pour pouvoir en parler, la pauvre. Des rêves de meurtre. Qu'est-ce que t'en penses? Tu as noté son adresse? Oui, je l'ai. À part ça, qu'est-ce que t'as d'autre? Rien, autant que je sache, cette fille n'a commis aucun crime. Alors si tu veux bien, on va déjà s'occuper de ce qu'on a de tangible. Oui, bien sûr, Steve. Donne-moi son adresse. Gail, au cas où tu l'aurais oublié, une journée n'a que 24 heures et pas 48. Rentre chez toi et dors un peu. Merci. J'ai cru comprendre que vous aimeriez qu'on discute. Non, j'ai pas besoin de discuter. Vous en êtes sûre? Écoutez, j'ai deux enfants qui vont rentrer de l'école d'une minute à l'autre. Et si j'étais votre amie? Écoutez, c'est pas vraiment le moment de... C'est très spacieux et tous ces niveaux différents que vous avez. Voilà, on m'a dit que vous étiez troublée par des mauvais rêves. C'est mon domaine, justement. Je pense que je pourrais vous aider. Vous voulez un café? Je viens justement d'en faire. Merci beaucoup. Avec du lait, du sucre? Non, je le prends noir. Vous savez, je crois vraiment pas que vous puissiez m'aider pour mes mauvais rêves.
Oui, c'est vrai, après tout, c'est mes rêves à moi. Peut-être que je devrais prendre des somnifères. Ces cauchemars vous réveillent au milieu de la nuit? Oh oui. Et ça vous arrive seulement la nuit? Ça m'arrive le jour aussi, parfois. Vous savez, les rêves sont très instructifs, à la fois les bons et les mauvais rêves. Peut-être que je peux les interpréter, si vous voulez. Je crois pas, non. Sûrement pas. Excusez-moi. Annie, c'est incroyable ce qu'on a vu à l'école. Un film sur de vrais alligators, comme dans la nature. Ils ont de ses dents. Et non, ça fait très peur. Je peux avoir une glace, s'il te plaît? Oui, si je voudrais vous présenter quelqu'un. C'est une amie à moi. Gail. Salut, Gail. Bonjour. Bonjour. Et tu me raconteras les alligators? Et Don, j'en veux une aussi. Gail. Non, moi. Je vous laisse ma carte. Appelez-moi si jamais vous avez envie de parler, d'accord? C'est pour ça que je suis là. D'accord, merci. Non, c'est l'autre que je voulais. Vous n'aurez rien à payer. Appelez-moi. J'appellerai. J'appellerai. Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette maison? J'y travaille pas, j'y habite. D'accord. Mais je suis pas leur mère, pas vraiment. Leur mère est décédée il y a 2 ans. J'essaye de faire ce qu'elle ferait pour eux. Alors, c'est ici que vous habitez? Mm-hmm. Toute seule? Oui, toute seule. Vous voulez me parler de ces cauchemars? C'est une longue histoire. Il s'est passé tellement de choses ces 2 dernières années. Tellement de choses. Je sais pas par où commencer. Si vous commenciez par il y a 2 ans. Bien sûr. Quand j'ai fait la connaissance de Craig, à ce moment-là, je vivais avec un copain et c'était mon premier copain. Et ça allait vraiment pas du tout. On s'entendait pas très bien. Va-t'en, fiche le camp d'ici! Non, je partirai pas! Partir pour aller où? Pour aller dormir dans le parc? Je veux plus toi chez moi, va-t'en, je t'en prie! Vous allez la fermer! J'en ai marre de vous entendre! Tu sauras pas te débrouiller sans moi, tu le sais très bien! T'as même promis d'arrêter de boire! La ferme! T'as pas à me dire ce que je dois faire! Je resterai ici aussi longtemps que je voudrais! J'en ai marre de t'entendre hurler, je te jure, Kyle, j'en peux plus, je voudrais que tu me laisses vivre. Police, ouvrez s'il vous plaît. Bouge pas. C'est fini, tout va bien maintenant, merci. Ouvrez ou j'enfonce la porte. C'est rien, juste une petite dispute entre amoureux. C'était pas la peine de vous déranger, monsieur. Vos voisins sont pas du tout de cet avis. Comment vous appelez-vous? Kyle. Kyle Mitchum. Vous avez bu, Kyle? Seulement 1 ou 2 bières, c'est tout. D'ailleurs, Annie sait bien que c'est pas parce que je crie un peu que je vais devenir violent. Hein, chérie? Vous voulez bien vous asseoir? De ce côté? Si vous êtes blessé, je peux appeler une ambulance et vous emmener à l'hôpital. Non, merci, ça va aller. Il y a des foyers pour femmes, on peut vous y emmener si vous voulez. Car il n'est pas toujours comme ça, vous savez. Seulement quand il boit. Vous voulez porter plainte? Non, je veux pas lui causer d'ennui. Son père le tuerait si je portais plainte. Si jamais je dois revenir, ne serait-ce qu'une seule fois, je vous emmène au poste. Est-ce que c'est clair? Et je n'ai qu'une parole.
Bon, allez, on fait un saut à Miller Street et après, on rentre. Il avait vraiment l'air de s'intéresser à mon sort. Et c'était un homme, lui. Pas un gamin comme Kyle. Je ne l'ai revu que 2 mois plus tard environ. Bonjour. Une seconde, je vous montre mon permis. Non, tout non, de suite. Inutile, vous n'avez rien fait de mal. C'est bien Anne, c'est ça? Annie. Tout le monde m'appelle Annie. Ah oui, vous allez bien? Oui, Kyle a enfin décidé de déménager. Oh, vous m'avez vraiment aidé et moi je vous ai même pas remercié. Oh, c'est... J'ai un moment là. Vous voulez prendre un café ou autre chose? Et après le lycée, je suis allée en première année de fac pendant 2 trimestres. C'est là que j'ai rencontré Kyle. Quelle chance! Bon, c'est vrai que c'était bien les études, mais c'est d'un travail que j'avais besoin. Et Julie, c'est ma meilleure copine, elle m'a dit qu'on avait besoin de gens pour travailler dans l'immobilier, dans une agence. En fait, c'est un boulot de secrétaire surtout, mais si je fais des progrès en informatique, j'ai des chances d'obtenir une promotion. Je suis sûre que vous l'aurez. Je l'espère. En tout cas, ça me ferait $50 de plus par semaine. Ça me coûte $65 chaque mois, rien que pour aller à Manhattan tous les jours. Dans la police, ils ont de bons salaires et des tas d'avantages aussi. Mon cousin Georges est inspecteur à Forest Hill et il est en train de se payer une maison. Et quel âge il a? Il est vieux. Bien plus vieux que moi. C'est pour ça qu'il me plaît, je crois. Parce qu'il est plus mûr que moi. T'es sûre qu'il n'est pas marié? En tout cas, il n'avait pas d'alliance. Annie, mais il faut que tu lui demandes s'il est marié avant que les choses aillent plus loin. Tu me promets? Annie... Promis. Vous auriez pu prendre du vin? Vous voulez que j'enfreigne la loi, vraiment? Alors, ça vous a plu? C'était magnifique, Carlo. Je te présente mon ami Ali. Un ami Kato et un ami Camille. Il dit que si vous êtes une amie, vous pouvez revenir quand vous voulez. Et maintenant, dessert et café offerts par la maison. Ce serait avec plaisir, mais il faut que j'y aille. La prochaine fois? Il faut qu'on y aille? Vous avez une maîtresse qui vous attend? Je suis marié, Annie. Ça fait des années que ça s'appelle plus un mariage, mais enfin... Bien, je préfère le savoir. Beaucoup d'hommes l'auraient caché, vous savez. Copain? Copain. Waouh! Avec un copain flic, je me sens vraiment protégée. Les hommes mariés disent que leur couple est foireux. C'est une excuse pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Écoute, c'est un copain, c'est tout. Non, c'est un copain qui est marié, Annie. Ce sont les pires, ceux-là. Ceux qui promettent de quitter leur femme et qui ne le font jamais. Et puis, il y a tellement de mecs extra. Il y en a partout. Regarde autour de toi. Comment ça se fait que moi, je ne rencontre jamais? Je peux pas gagner contre ça. Il ne s'agit pas d'une bataille, sois seulement toi-même, c'est ça qui est important. Justement, c'est ça le problème. Je suis encore à me demander qui je peux bien être. En tout cas, les hommes mariés, c'est pas la solution, un point c'est tout. Oui, mais si on sort juste dîner une fois de temps en temps, on fait rien de mal. Mais tu sais très bien que ça va aller plus loin que le dîner. Non, on peut très bien rester seulement amis si on choisit de rester amis. Ah, tu crois ça? Dis, on pourrait décider de pas prendre notre bus ce soir. Et d'aller voir un beau film? Non, je peux pas, j'ai un rendez-vous. Alors, d'accord. Salut Annie, je vous ramène chez vous? Je suis sûre que vous n'êtes pas là par hasard. Eh non, je vous attendais. Si vous n'avez pas dîné, on peut acheter une pizza? Oui, mais alors sans anchois. Marché conclu. Ce jour-là, je tombe sur un type en train de retirer les volets d'une fenêtre. Il a une sacoche pleine d'outils de cambrioleur. Tout de suite, je lui passe les menottes et il dit: « Vous m'accusez de quoi ?»
Je lui réponds, c'est une effraction. Et il s'est mis à rigoler. Il a dit, vous me prenez en train d'enlever un volet d'une fenêtre, c'est pas une effraction, ça. Et il avait raison. J'aurais dû attendre qu'il soit entré, et là, j'aurais pu l'arrêter. Eh oui, c'est comme ça qu'on apprend. Vous pensez devenir commissaire un jour? J'aurais déjà pu l'être, oui. Seulement, l'action, c'est dans la rue que ça se passe. Vous avez déjà tué quelqu'un? J'ai blessé un type une fois. Légitime défense. Il avait sorti un couteau comme ça. La commission d'enquête a trouvé mon geste tout à fait justifié. Annie, des histoires comme ça, je pourrais vous en raconter des centaines. Vous les racontez à votre femme? Elle, tout ce qui l'intéresse, c'est ma paye. Alors, maintenant, on va parler de vous. Vous êtes si jolie, vous devez sortir tout le temps. Pas vraiment, non. Avant, j'allais de temps en temps en boîte. J'adore danser. Mais les garçons que je rencontrais, la plupart du temps, c'était des nuls. Ouais. Il y en a un paquet. Les garçons que je connais, ils savent jamais rien faire. Tadam! Hello. Oh, super! Merci. Oh là là, ça va? Vous m'aidez à accrocher le tableau? Après vous. Tadam! Un peu plus bas du côté gauche. Ah bon? Comme ça? Parfait! Ouh! Je croyais qu'on devait rester seulement amis. Des amis intimes, Annie. Non, Craig, c'est pas une bonne idée. Non, Craig. Je crois pas que ce soit bien. Avec Craig, j'avais la sensation d'exister pleinement. C'était une sensation que j'avais encore jamais éprouvée. Je crois que c'était la première fois que j'étais vraiment heureuse. Est-ce que cet homme a quelque chose à voir avec vos cauchemars? Oui, absolument. D'accord. Et vous voulez toujours m'en parler? Oui, je le veux vraiment, je vous assure. Mais c'est tellement dur. On a tout le temps, ne vous inquiétez pas, j'ai fait annuler tous mes rendez-vous. Continuez. On se voyait chaque fois que pour quelques heures. Et ça n'arrivait pas très souvent, en plus. Les week-ends et les fêtes, il les passait avec ses gosses. Et avec sa femme. C'était suffisant pour vous? Oh non, bien sûr que non. Mais les moments qu'on passait ensemble, c'était les seuls où j'avais l'impression d'être vraiment, vraiment vivante. Tout le reste du temps, je faisais que survivre. Vous aviez donc envie d'être avec lui tout le temps? Oh oui, tout le temps, oui. Mais... Mais ce n'était possible qu'avec un divorce. Oui. Et il ne pouvait pas divorcer. Pourquoi? Mais à cause des enfants. Il ne voulait pas prendre le risque de les perdre. C'est moi qui étais obligée d'accepter la situation. J'étais obligée. Parce que... j'étais vraiment... totalement amoureuse de cet homme. J'y pouvais rien. T'étais copine avec Cindy à l'école. Pourquoi tu viendrais pas dîner avec nous?
Je crois que j'aurais plus rien à lui dire. Oh, tu préfères rentrer pour être près du téléphone au cas où Craig appellerait. C'est pas une vie, ça, Annie. Mais j'ai un tas de choses à faire, c'est vrai. Oh, pff, ça, c'est un énorme mensonge. C'est difficile pour lui de m'appeler dans la journée. Tu te mets toujours dans des situations pas possibles. Avec Kyle, c'était déjà pas mal, et ben maintenant, c'est avec un type marié. Vous ne faites jamais rien, vous n'allez nulle part. Tout ce qu'il sait, c'est venir te voir pour coucher avec toi. Tu demandes jamais rien de plus? Ça sera pas éternellement comme ça. Tu te racontes des histoires. Je te dis qu'il va quitter sa femme et on fera ce qu'on voudra tous les deux. C'est rien pour lui, tu n'es que sa maîtresse, un point c'est tout. Je t'en prie, réveille-toi. Tu veux que Craig te dépose chez toi? Non, non, merci, je préfère marcher. Salut. Tu sais, ça paye toujours la prudence. Je te fais signe, ok? Merci. Qui c'est, lui? C'est Enrico, un copain. C'est un homme d'affaires. Ah, j'ai quelque chose pour toi. J'ai pas eu le temps de refaire l'emballage. C'est pour moi? Si tu n'aimes pas les cadeaux, je peux toujours... Non! Non, j'aime ça. Oh, un lecteur de CD portable. T'aurais pas dû dépenser une somme pareille. C'était pas très cher. On a des remises en tant que policier. C'est génial. Ta femme se demande jamais où tu es? Là, par exemple. Elle s'en fiche. Ça n'intéresse pas où je suis, ni ce que je fais. Tu l'aimes pas, mais vous couchez quand même ensemble. Non, Annie, nous ne couchons pas ensemble, comme tu dis. C'est fini depuis des années. Tu sais, si tu le voulais vraiment, tu pourrais habiter ailleurs. Mais je ne suis qu'un pauvre flic, Annie. Tu me prends pour un millionnaire qui peut se payer le luxe de partir et de refaire sa vie comme si ça ne coûtait rien. Je sais, mais quel que soit le prix, tu aurais ta liberté et c'est ça le plus important. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Tu sais bien que j'adore mes gosses. Les femmes deviennent parfois vindicatives. La famille de Wendy habite dans l'Ohio. Elle serait capable d'emmener les enfants là-bas. Et je ne les verrai jamais. Tout ce que je voudrais, c'est que tu n'aies plus à t'en aller. Et qu'on prenne le petit déjeuner ensemble comme tous les couples normaux. Je le voudrais aussi, tu peux me croire. On pourrait partir quelque part tous les deux pour un week-end ou un jour de fête. Wendy a parlé d'emmener les enfants voir sa sœur. Peut-être qu'on pourra partir ce jour-là. Tu es plus souvent avec elle qu'avec moi. Non, je ne suis pas avec elle, je suis avec toi. Seulement avec toi. Je sais. On sera bientôt libres, ça je te le promets. Dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime? C'est vrai. Je t'aime. Tu m'aimes? Oui, 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 oui. T'es sûr? Je t'aime. Vous aviez besoin de son amour? Oui. C'était vital pour vous? Oui, j'en avais besoin. Et vous l'avez maintenant? Non, j'ai absolument rien. Il vous promettait de divorcer, mais il n'a jamais divorcé. Sa femme est décédée. Oui. Et quelques mois plus tard, je suis venue habiter avec lui. Comment est-elle décédée? On lui a tiré dessus. Elle a reçu 4 balles. Une dans le ventre, 2 dans la poitrine, 1 dans le bras. J'arrêtais pas de penser à sa femme, parce que c'était pour elle qu'il fallait qu'il rentre. Une des choses qui m'embêtait, c'est que je savais même pas à quoi elle ressemblait. Mais je connaissais leur adresse. Thank you.
Greg, tu viens? Prends ça. Greg? Tu viens? Vos parents étaient au courant de cette liaison avec un homme d'âge mûr? Mes parents? Ils savaient qu'il était marié? Noir? Oui. Je sais même pas où ils sont en ce moment, mes parents. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont pas ensemble. Mon père est parti quand j'étais encore toute petite. Et ma mère s'en est jamais vraiment remise. Elle m'a jamais donné l'amour dont un enfant a besoin pour être bien dans sa peau. Mais elle devait penser qu'elle ne valait pas grand-chose puisque mon père l'avait abandonnée. Il vous a abandonné aussi? Vous lui en avez voulu? Ben, je crois que j'ai dû penser que mon père s'était dit que ça valait pas le coup de rester pour moi. Il avait une maîtresse? Mon père? J'en sais rien. J'avais à peine 3 ans. J'étais pas au courant de ce genre de choses. Votre mère l'a peut-être su. C'est peut-être à cause de ça qu'elle pensait, comment avez-vous dit, qu'elle ne valait pas grand-chose. Oui, oui, sans doute. Pensez-vous que cet abandon est un rapport avec l'image que vous avez de vous-même? Quelquefois, je me déteste. Vous voulez me parler de ce qu'il y a en vous que vous détestez? Je déteste cette partie de moi. Profondément enfouie à l'intérieur. Cette partie de moi qui a peur que je sois pas assez jolie ou assez intelligente. Cette partie de moi qui a si peur d'être abandonnée toute seule au monde. Eh ben, mon vieux, qu'est-ce que tu me gâtes, dis donc? Normal, tu t'occupes de nous, moi je m'occupe de toi. Ça va, ma jolie? Ah, excusez-moi. J'aurai peut-être un plan bientôt pour des super belles télé stéréo. Je te ferai signe. Allez, salut. Allez, salut. J'espère qu'il n'est pas parti à cause de moi. Non, il avait des choses à faire. J'ai un petit truc pour toi. Ferme les yeux. Me plaît. J'ai encore une surprise pour toi, dans la voiture. Viens voir. Il y a eu beaucoup de cambriolages dernièrement par ici. Bien sûr, pas de quoi s'affoler. Mais je préfère que t'aies ce truc-là. On sait jamais, au cas où. Très bien. Tu tires le chien en arrière chaque fois que tu veux l'armer. Tu vises, et tu tires. Tu vises, feu. Tu vises, feu. Bien!
C'est pas trop mal? Non, c'est pas mal du tout. Tu verras qu'un jour, tu seras fière de moi. Je suis déjà fière de toi, Annie. Mais on va continuer jusqu'à ce que tu sois une vraie pro. Avec les armes, faut pas s'amuser. Je veux que tu te sentes complètement à l'aise. Mais allez! Je vous arrête! Mettez-vous contre le mur tout de suite! Je t'aime, Annie. Tu sais ça? Je sais. Bon, on recommence. Et cette fois-ci, tu te débrouilles toute seule. Et il vous a emmené là-bas plusieurs fois? Oui. Et à ce moment-là, vous pensiez que c'était pour votre protection? C'est ce que je croyais, oui. C'était tellement formidable qu'il pense à ma sécurité. C'est incroyable que j'ai pu être naïve à ce point. Non. Non, ça va pas être possible. Sûrement pas. Je sais, Wendy. Je rentrerai très tard. Non, Wendy, je ne sais pas à quelle heure. Je t'en prie, ça ne va pas recommencer à chaque fois que je... Je suis occupé, c'est tout. Écoute, j'ai promis à un copain de l'aider. Il est de service de nuit. Tu comprends? Non, il faut que j'y aille. Mais enfin, je suis de service, je te dis. De service? Oui, chez une de tes salopes de maîtresse, je suppose. Tu as vu ce qu'il y avait dans le journal ce matin sur la police et la corruption? Ça peut peut-être les intéresser d'avoir quelques exemples à citer. Qu'est-ce que tu t'imagines? Je sais que tu connais des receleurs et que tu as des combines avec eux. Tu comprends ce que je veux dire, oui ou non? Qu'est-ce que tu fais? Tu me menaces? Tu disais que ça lui était égal de savoir où t'étais et ce que tu faisais. Elle me menace d'emmener les gosses à des milliers de kilomètres pour que je ne puisse plus les voir. C'est pas possible, mes enfants sont tout pour moi. Elle bluffe, elle le fera jamais. Elle le fera, elle est capable de le faire. Elle fera tout pour être sûre que je resterai mariée avec elle. Hein? Non, tu as raison. Elle bluffe, oui. Est-ce que tu te rappelles que tu disais qu'on devrait partir un week-end? Je t'emmène. Douze. Vingt. Treize. Quatorze. Vingt. Quatorze. Dix-neuf. 11, 14, 17, 16. J'ai bien joué. T'es sûr? 20. Ça y est. 12, 16. C'est bon. J'ai gagné! Génial! Vas-y, t'es gagnante, remets une mise. Vas-y, n'aie pas peur, remets une mise, tu gagnes, allez! Blackjack! Je gagne! Je vais arrêter pendant que je gagne. D'accord. Merci beaucoup. Je me suis fait 35 dollars. Surtout, ne dis à personne que tu n'as pas encore 21 ans. Tu crois que je risque d'avoir des ennuis? Tant que tu seras avec moi, tu n'en risques pas d'en avoir. Oh, j'adore être avec toi! J'ai de la chance aujourd'hui, j'essaye? 10? Si tu veux. Merci. Vas-y, essaye encore, mais avec le maximum de pièces. Oui, plus tu en mets, plus tu gagnes. Oh. Ouais.
va, tu t'amuses? Oh, c'est merveilleux. Si seulement ça pouvait être comme ça tout le temps. Ah, j'allais oublier. J'ai un copain qui travaille ici. Il nous a réservé des places pour le spectacle de ce soir. On sera dans les premiers rangs. David Copperfield, oh, mais je l'adore. Tu sais, être là avec toi, ça me fait oublier que Wendy existe. On est obligé de parler d'elle. On fait équipe pour tout, maintenant. Si on voulait, on n'aurait pas besoin, ne serait-ce qu'un instant, de penser à elle. Pour être heureux, rien que toi et moi, il n'y aurait personne d'autre. Rien que toi. Et moi. Tu te souviens de ce que je t'ai dit à Atlantic City? Qu'à partir de maintenant, on faisait équipe. En tout et pour tout. Je veux rentrer chez moi. Annie, c'est le seul moyen de résoudre tous nos problèmes. J'aurais préféré qu'il y en ait un autre, mais... Mais si tu veux qu'on puisse vivre ensemble... Je n'ai pas envie de parler de ça. Pas ça. On pourrait être heureux pour toujours. Non. Tu oublies que je suis un flic. Je sais comment combiner ça de façon que personne ne puisse jamais savoir la vérité. Je ferai pas ça. On le travaillera. On le répétera comme une pièce. Tous les détails, on les connaîtra tous par cœur. Personne n'aura le moindre soupçon. Je suis sûr de moi à 100%. Je veux être tout à toi, tout le temps, et pas quelques fois seulement. Très bien. S'il te plaît, me laisse pas seule. Je sais plus du tout où j'en suis et mon cœur bat comme un tambour. Par pitié, reste avec moi jusqu'à ce qu'il se calme un peu. Appelle-moi quand tu seras décidée.
Craig? Est-ce que je peux vous aider? Craig? T'es pas à ton travail? Non, j'ai téléphoné pour dire que je serai en retard. J'aimerais qu'on parle, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Tu me manques. Tu as pris une décision? Je t'en prie, Craig. C'est trop dur. J'ai plus le temps, là. Faut que j'y aille. J'ai essayé, mais c'était tellement dur de renoncer à lui. Je n'ai pas su trouver la force de le faire. Je l'aimais à la folie. J'avais peur, si je cessais de le voir, qu'il tombe amoureux d'une autre femme. Et si je ne peux pas faire ce que tu me demandes? Wendy menace de partir. Et elle partira. Elle dit que si je fais la demande de divorce, elle emmènera mes gosses dans l'Ohio, auprès de sa famille. Elle veut seulement te faire peur. Non, elle en a vraiment l'intention. C'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour m'empêcher de la quitter. Elle sait que je suis pris dans son piège. Craig, j'ai bien trop peur. Quand nous serons mariés, tu porteras nos bébés. Craig, mon amour, je t'aime. Ferme les yeux un instant, Annie. Ça y est, ils sont fermés. Bien fermés. Oui. Bon. Et maintenant, imagine un monde où il n'y aurait que deux personnes. Rien que toi et moi. Tu veux que ce monde existe, non? Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Quand tu appuies sur la détente, fais-le plusieurs fois. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Craig! Il n'y a pas d'autre moyen. Je vais essayer encore. Qu'est-ce que tu vas viser? Je vise au milieu. C'est ça, comme je t'ai appris au stand de tir. Je garde le bras baissé, légèrement tendu. Et je le relève quand je m'approche de la cible. Aussitôt que mon arme a le canon pointé sur le milieu, je fais feu. Je détends mon bras et je mets l'arme dans ma poche. Et je m'éloigne. Tu oublies quelque chose? Ah. S'il n'y a personne aux alentours, je ramasse vite les douilles et je... Et je pars ensuite rapidement. Sans courir. Et sans me retourner. Si je m'aperçois que quelqu'un m'a vu, je continue à marcher. Sans le regarder. Dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime. Encore. Je t'aime. Encore. Je t'aime. Encore. Je t'aime. Je t'aime. Vous avez pensé encore à ce que ce serait dans la réalité d'accomplir le geste de tuer quelqu'un? De tuer une femme? Je m'efforçais de ne pas y penser de cette manière. C'était rien d'autre qu'une cible en carton. Je n'avais qu'à viser dans le milieu. Mais vous saviez ce que vous faisiez? Rien de ce que je vis n'est plus réel depuis longtemps pour moi. C'est comme quand on fait un cauchemar, qu'on voudrait se réveiller, mais ça continue. Et on ne peut pas s'empêcher d'aller jusqu'au bout du cauchemar. C'est un mensonge, Annie. La menace d'emmener les enfants dans un autre état, elle ne peut le faire que si lui aussi est d'accord. C'est la loi. Il s'est servi de vous pour se débarrasser de sa femme. Cet homme est dangereux, il devrait être en prison. Voulez-vous aller à la police et leur répéter ce que vous m'avez dit à moi? Voulez-vous toujours le faire? Oui, je le veux toujours. Si vous
vous êtes condamné. Vous devrez passer de longues années en prison. Vous vous rendez compte de cela? Je m'en rends compte. Bien. Wendy Mitchell, mère de deux enfants. On présume que c'est un vol qui a mal tourné. Aucun indice, aucun suspect. Il y a bientôt 2 ans. Elle a reçu 4 balles tirées de près, des balles de petit calibre. 1 dans le ventre, 2 dans la poitrine. 1 dans le bras. Rien n'a été volé. On présume que l'agresseur a paniqué et s'est enfui. Un vol qui a mal tourné. On présume que l'agresseur a paniqué et s'est enfui. L'agresseur n'a pas emporté le sac. Mais il s'est donné la peine de récupérer 3 des 4 douilles, ça alors. Vous croyez que cette gamine a pu faire ça? Seulement si elle a eu droit à des leçons. Celle d'un criminel ou celle d'un flic. Mais il n'y a aucune preuve contre Mitchell. Rien de négatif n'a jamais été relevé contre lui. Bien entendu. Rien n'a été relevé sur le fait qu'on lui a fait cadeau de marchandises volées. Rien n'a été relevé sur le fait qu'il a usé de séduction pour rendre amoureuse de lui une très jeune femme et honteusement profiter de sa naïveté. Non, attends, tu peux me dire de quoi tu parles? Pour l'instant, nous n'avons pas la moindre preuve, rien que la parole de cette fille. Et en plus, elle avoue être l'auteur du meurtre. Oui, je sais, d'accord. Seulement, ne vous liguez pas contre moi parce que vous vous sentez solidaire de ce flic. Gail, tu sais que nous te respectons beaucoup ici parce que tu le mérites et aussi que nous savons que ton travail passe avant tout. Quelquefois, quand on a besoin de toi, tu ne rentres même pas chez toi. D'ailleurs, est-ce que tu as seulement un chez toi? Non, je plaisante. Mais cette gamine s'est fichue de toi. Ce que moi je crois, c'est qu'elle voulait se débarrasser de la femme et qu'elle s'en est occupée. L'officier Mitchell n'était pas forcément dans le coup. Bien sûr que non, puisqu'il l'a juste préparée et qu'il s'est débrouillé pour que ce soit elle qui tue. D'accord, si tu veux, on l'interroge de nouveau. Bon. Bien. Allez-y, racontez-leur la fin de l'histoire. Vous voulez qu'ils sachent ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Allez-y, vous avez toute leur attention. Il m'a dit exactement ce qu'il fallait que je fasse. On a tout répété, encore et encore, jusqu'à ce que je réussisse. C'était irréel, comme une pièce de théâtre. Il m'a dit où garer la voiture, où je devais attendre, le moment où je devrais montrer, où il fallait viser. Tout. Il m'a dit que les agressions étaient plutôt nombreuses dans les environs, et que ça ressemblerait aux autres. Ça devait se passer un samedi. Allô? Nous partons dans 40 minutes. Attends-moi là, je reviens tout de suite. D'accord, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Je reviens dans 1 minute. N'oublie pas le parapluie!
Qu'est-ce que vous voulez ? Craig ! Mon mari est policier, il revient dans une minute. Craig ! Tenez, il y a quelques dollars là-dedans, vous pouvez les prendre. Alors, pitié, j'ai deux enfants, ils sont encore tout petits. Pitié ! Craig ! Oh. Nous avons recommencé à nous voir environ un mois après l'enterrement. Il m'a présenté à ses amis, des policiers pour la plupart. Je savais que leurs épouses me trouvaient un peu trop jeune, mais ça m'était égal. J'étais là où j'avais toujours voulu être. J'étais avec Craig. On ne parlait jamais de ce qu'on avait fait, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser tout le temps. Et pourtant, il avait raison. On ne pouvait pas être soupçonnés. Quelquefois, je pensais que j'allais devenir folle à cause de ça. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Craig se préoccupait beaucoup de ses enfants. Il savait que ce serait difficile de leur faire accepter quelqu'un d'autre. Quelques semaines avant le 9e anniversaire de Dougie, on a fait un pique-nique. Et il m'a présenté à ses enfants. Vous vous souvenez qu'on a parlé des amis il n'y a pas longtemps et qu'on disait qu'il y en avait, qu'on aimait plus que les autres. Oui, moi c'est Rachel, ma meilleure amie. Papa aussi a une meilleure amie. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Tu veux parler de Madame Wirth, la dame qui s'occupe de nous quand tu travailles? J'aime beaucoup Madame Wirth, mais c'est pas ma meilleure amie. Alors tu as une copine? Elle s'appelle Annie. Tenez, la voilà. Salut. C'est Alicia et voilà Dougie. Moi c'est Annie, j'ai beaucoup entendu parler de vous. J'espère qu'on sera bons amis. Bon, je vais chercher les boissons. Je vais avec toi. J'ai préparé des sandwichs. Jambon, ça te va? Moutarde? Sans mayonnaise? J'ai apporté des chips aussi. Ok. Tu sais que notre maman a été tuée? Oui. C'est horrible, je sais. Celui qui a fait ça, c'est une ordure. Mais comme mon père est policier, il l'arrêtera. Les enfants m'ont un peu boudée au début. Et c'était tout à fait normal. Il y avait des hauts et des bas, mais ça allait. C'était courageux de votre part d'entrer comme ça dans leur monde à eux. Ils avaient besoin d'une mère. Continuez, Annie. J'y allais après mon travail et je faisais à dîner. Je m'efforçais d'être une maman. Mais j'y passais jamais la nuit.
Même pas le week-end. Il fallait attendre pour ça. J'agissais comme un robot jour après jour. Dites donc, vous deux, passez vite. On va rater le feuilleton. Attendez, quand je vous demande de faire quelque chose, j'aimerais beaucoup que vous le fassiez. T'es pas notre maman. C'est pas à toi de nous donner des ordres. C'est vrai, t'es pas notre maman. Oh là, qu'est-ce qui se passe ici? Rien, juste un petit problème. Vous disiez qu'Annie n'était pas votre maman? Bien sûr qu'elle n'est pas votre vraie maman. Mais elle fait ce que font toutes les vraies mamans. Hmm? Alors je veux que vous la respectiez comme si c'était votre maman. Qu'est-ce qu'on dit? Pardon, Annie. Pardon? C'est pas grave. C'est moi qui m'occuperai de tout ce soir. Allez, zou. Les fleurs qui poussent dans un jardin sont tellement plus jolies que celles qui viennent d'un magasin. Est-ce que tu vas venir au cimetière avec nous? Non, on ne partage pas ces choses-là. C'est pour vous trois seulement. Ça serait pas bien. Mais plus tard, tu viendras. On verra. Maman est au paradis avec les anges. Hein, que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Elle est avec les anges. Bon, on est prêt? Ça va pas? C'est rien, j'ai un peu mal à la tête, c'est tout. N'oublie pas les fleurs. Tu as vu comme elles sont belles? Maman va être contente. J'étais de plus en plus obsédée par Wendy et curieuse de la vie qu'elle avait menée. Je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée que plus j'en saurais sur elle, plus ce serait facile pour moi. Une fois que Craig et les enfants ont été partis, j'ai été comme attirée vers sa chambre, sans savoir exactement ce que je venais y chercher. Vous allez vous marier, toi et papa? C'est à ton papa qu'il faut demander ça. Demander quoi? Si toi et Annie, vous allez vous marier. Ton papa va te border. Bonsoir, ma chérie. Alors,
Vous allez vous marier? Et toi, qu'est-ce que tu en penses, hein? Ça serait bien. Annie n'aurait plus besoin de rentrer tous les soirs et elle resterait avec nous tout le temps, comme une vraie maman. Eh bien, je crois qu'Annie et moi, on va en discuter. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Steve, regarde ça. J'ai l'impression que ce type correspond à la description qu'elle nous a faite d'un certain Enrico qui file des lecteurs de CD et des colliers en or volé à Mitchell. Où t'as eu ça? Et il est là-bas. T'as qu'à aller le voir. Il s'est fait épingler avec un coffre bourré de manteaux de fourrure de marque. Il voudrait négocier. Il dit qu'il est prêt à dénoncer Mitchell avec preuve à l'appui. Parfait. Mets-le au frais en attendant. On a bien plus lourd à lui mettre sur le dos à notre cher collègue Mitchell pour l'instant. Venir habiter chez Craig aurait dû être l'événement le plus heureux de toute ma vie. Mais comme tout ce que j'avais fait jusque-là, ça n'a été qu'un pas de plus vers l'horreur. Pourquoi cela? Parce que c'était un mensonge. C'était pas chez moi du tout, cette maison. C'était chez elle et c'était aussi sa vie. J'avais absolument rien à faire là-dedans. Mais vous êtes restée. Parce que j'étais assez stupide pour m'imaginer que j'étais capable de compenser la perte de leur mère. Mais ça, personne n'aurait jamais pu le faire de toute façon. J'essayais de toutes mes forces. Je voulais y arriver. J'ai l'impression que tout ce que je veux, c'est toujours impossible à réaliser. Et vous voyez une raison à cela ? C'est à cause des choix que je fais. Vous vouliez que ces enfants soient plus heureux? Non. C'était surtout pour moi. C'est moi qui avais besoin de sentir moins de remords après ce que j'avais fait. Et vous y êtes parvenue? Non. Il n'y avait rien de vrai. C'était un mensonge. Depuis le début, tout n'était que mensonge. J'avais l'air sain d'esprit et au-dedans, j'étais folle. Je peux pas dormir dans sa chambre. Je fais des cauchemars, c'est affreux. Annie, tout va bien. Accouche-toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Annie, papa veut te parler, tu le prends? Tout de suite. Tu peux raccrocher, ça y est. Craig? Comment tu vas? Super, j'ai touché le jackpot. J'arrête un type qui brûle un feu rouge et il était recherché par le FBI. Ouh, apporte une bouteille de vin, on va fêter ça dès que tu seras rentré. Je vais rentrer tard. On attendra. Non, je veux dire très tard. Michael a des problèmes de voiture, je vais le remplacer. Ça fera quelques heures sup, c'est toujours ça. D'accord, je garde ton dîner au chaud. Je t'adore. À tout à l'heure. Chérie, est-ce que t'aurais le temps là? J'aurais voulu mourir. Mais ça aurait été un peu trop facile. Et je savais que je ne le méritais pas. T'as pas beaucoup parlé hier soir. Ce
C'est sans doute que j'avais pas grand-chose à dire. Hé, hey, on fait toujours équipe. C'est mon Annie, ça. Je vais aller faire le petit déjeuner. Annie, tu n'as pas eu d'autres visions ces jours-ci? Non, ça va. Je suis sérieux, il faut que je sois sûr qu'on maîtrise la situation. Ça va, je t'assure. Si tu as un problème avec moi, avec qui que ce soit, on en parle tous les deux, pas de docteur, pas de psychologue. Personne ne doit être au courant, rien que nous deux. Est-ce que tu es sûr que c'est bien clair? Ça s'est passé hier. C'était un avertissement. J'ai compris que je ne resterai pas dans cette maison. On l'aura, il le faut. Elle est notre seul témoin pour l'instant. Et elle risque gros. Mais elle est déjà allée beaucoup trop loin pour reculer. Mais alors? Elle sera d'accord pour le faire. Pour faire quoi? Vous allez lui mettre un micro et la renvoyer là-bas? C'est le seul moyen. Ça fait longtemps qu'on a interdit ce genre de moyens. J'en prends la responsabilité. Autrement, c'est sa parole à lui contre celle de la gamine. Aucune chance. Pas question que je cautionne ça. Où est le problème? C'est bien trop dangereux pour elle. C'est un flic, elle y est armée. Elle s'en va et tout d'un coup, elle revient. Il va se demander ce qu'elle est allée faire. Steve, elle est seule à être au courant. Il a tué sa femme pour moins que ça. Bon, d'accord. Je sais ce qu'on va faire. On ne va pas mettre le micro sur elle, on le mettra dans la maison dès qu'il sera parti, dans la chambre. Je veux que cet homme réponde devant un juge de la façon dont il a utilisé cette fille. Mais si elle est en danger de quelque façon que ce soit, on arrête les frais. Oh, mais je comprends pas, vous m'arrêtez pas et vous me mettez pas en prison? Ça, c'est au tribunal d'en décider. Mais d'abord, nous avons besoin de vous. Craig a mis cette arme entre vos mains, ça a annoncé de l'incitation au meurtre. Oh, si vous emprisonnez Craig, les enfants n'auront plus personne. Vous disiez qu'ils avaient des grands-parents, ils prendront soin d'eux, ils seront avec des gens qui les aiment. Craig aussi les aime, je suis certaine qu'il les aime. Annie, vous ne méritez pas de payer pour ce crime toute seule. Je sais, mais j'aurais préféré qu'il y ait un autre moyen. Il n'y a qu'un seul moyen d'impliquer Craig. Et pour ça, ils ont besoin de vous. Qu'est-ce que je devrais faire? Retourner là-bas. Là-bas, dans cette maison? Ce ne sera pas facile, je sais. Il faut que je retourne dans ce monde de mensonges, que je fasse comme si j'y croyais encore et que je vous ai jamais rencontré. Dieu merci, vous m'avez rencontré, Annie. Et vous connaissez maintenant la différence entre la vérité et toutes ces illusions que vous aviez. Vous n'êtes plus un robot maintenant, Annie. Vous contrôlez la situation. N'est-ce pas? Oui. Vous êtes prête? Vous savez quoi dire? Je crois que oui. Nous viendrons demain matin quand Craig sera parti travailler. Tu crois qu'elle saura le faire? Oui, j'en suis sûre. Ah, quand même. Où étais-tu? Oh, excuse-moi, j'aurais dû appeler. Les enfants ont bien pris leur douche avant d'aller se coucher? Oui, à 10 heures passées. Ils se sont inquiétés, tu sais. Moi aussi, je me suis inquiétée. Oh, vraiment? Je suis désolée, vraiment. Mais où étais-tu? En ville. Il y a le téléphone, en ville. Je sais. Mais Julie m'a appelée au dernier moment. On est allé prendre un café, et puis ensuite on est allé faire les magasins, et j'ai pas vu le temps passer. Ah, je croyais que toi et Julie, vous étiez fâchés. Attends, tu m'avais pas dit que vous vous étiez pas vus depuis un an? Si, justement, c'est pour ça que je voulais absolument la voir. Tellement de choses se sont passées dans sa vie, tu peux pas savoir. Elle va se marier, avec un courtier en bourse. Oh, je suis vraiment contente pour elle. Écoute, si tu veux voir une de tes copines, c'est très bien, on a tous besoin de se changer les idées. T'as fait la vaisselle? Oui, j'ai lavé, les enfants ont essuyé. Mais si tu sors, tu téléphones, c'est tout. Tu as tout à fait raison, je m'excuserai auprès des enfants demain matin. T'as pas vu mon pantalon de survêt? Dans ton sac de gym, dans le placard. Annie. Tu es jalouse? De quoi? De ta copine, Julie. Elle épouse un courtier en bourse, et moi je ne suis qu'un flic. Il est encore stagiaire pour l'instant, et puis
Des garçons comme lui, il y en a des tas. Des comme toi, il y en a qu'un. T'as des problèmes? Encore tes cauchemars? Non, je me sens un peu fatiguée. C'est moi qui travaille demain. En avance. Oui. Ça va être une longue journée. Dougie, mange, s'il te plaît. Alicia, si tu veux pas être en retard, il faut descendre tout de suite. Il y a du café. J'en prendrai au poste tout à l'heure. Dépêchez-vous, vous allez être en retard. Salut, maman. Elle s'appelle Annie. J'ai le droit de l'appeler maman si j'ai envie. Pas vrai? Si c'est vrai. Toi, tu peux m'appeler Annie si tu veux. C'est parfait. Mettez le micro dedans. On va se coucher vers 11h d'habitude et... On regarde un film ou le journal du soir et on s'endort après. Vers quelle heure vous étiez réveillé par ces cauchemars sur Madame Mitchell? Ça devait être vers 1h du matin. Très bien. C'est à ce moment-là que vous le ferez. On vous écoutera. Supposez que Craig voit le microphone? Impossible. Mais s'il ne dit pas ce que vous voulez entendre... C'est à vous de faire en sorte qu'ils le disent. Ok, ça marche, pas de problème. Ça va aller. Vous croyez que je saurais le faire? Lieutenant Driscoll m'a posé la même question et j'ai dit oui parce que j'en suis certaine. J'aimerais en être aussi sûre que vous. Je me demande sans arrêt comment j'ai pu me laisser aller à commettre un acte aussi horrible. Annie, il est probable que Craig soit une sorte de sociopathe et il est très intelligent. Et vous étiez vulnérable. Beaucoup de femmes ne sont capables de se définir que par rapport à l'homme avec lequel elles vivent. Elles n'ont l'impression d'exister que si elles sont en couple, même si ça se passe très mal. Elles ignorent qu'on peut être seule et être bien. Et maintenant, ce que je le fais seule. Oui. Tiens, Gail. Merci. Ils ont été à la télé vers 11h20 et depuis rien du tout. Craig. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore eu un cauchemar. Je peux plus me regarder dans la glace sans voir son visage. Quand je vois les enfants, ça me donne envie de pleurer. C'est ton problème, Annie. C'est à toi de le résoudre. J'y arrive pas. Ma conscience m'en empêche. C'est une sacrée comédienne. Le passé, c'est le passé. Oublie-le.
t'as promis de t'occuper de moi. J'ai fait quelque chose d'horrible rien que pour toi. Hein? Non, tu l'as pas fait pour moi. Tu l'as fait pour toi, pas seulement pour moi. Non. Non, non, je l'ai fait rien que pour toi. Tu voulais qu'on puisse vivre ensemble. Tu disais qu'il n'y avait aucun autre moyen. C'est vrai, c'était le seul moyen. Je suis sûre que j'ai en enfer à cause de ça. Annie, 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 je t'en prie. C'est pas le moment de perdre la tête, Annie. Je l'ai tué pour toi. Il a giflé. Il faut arrêter tout de suite. Encore une minute. Non. Mais qu'est-ce qui te prend? On avait dit qu'au moment où je le disais, on arrêterait tout. Pas encore. Je t'ai dit de ne pas dire ça. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit de faire. Oui. Exactement. Oui, tu as été parfaite. J'étais très fier de toi. Mais s'il te plaît, arrête avec ces cauchemars. C'est fini, ma bébé, c'est fini. On est une équipe. C'était le seul moyen de le faire. Je pouvais pas appuyer sur la détente, alors c'est toi qui as dû le faire pour moi. On l'a. Ça a été fantastique. Et on a eu tout ce qu'on voulait. J'espère qu'il va rester calme. Non, ce serait vraiment trop bête de cacher tout ça. On peut y aller. Avec cette bande de son témoignage, on doit pouvoir le mettre à l'ombre. Ça vaudra mieux pour Annie. Gail, merci. On viendra les arrêter tous les deux avec un mandat. Tu devrais aller dormir. Non, je veux rester là. Mais Joe va les écouter ronfler toute la nuit. Bon. Eh bien, moi aussi. Gail. J'ai été idiot. Dougie, Alicia. Sage. J'ai un mandat d'arrêt contre vous, officier Mitchell. Un mandat? On m'accuse de quoi? De préméditation de meurtre et d'incitation au meurtre. Non, vous plaisantez. Et qui est-ce que je suis supposé avoir fait liquider, hein? Votre femme. Alors c'est là que t'étais. Tu veux que moi je paye pour ce que tu as fait? Écoutez, je sais pas ce qu'elle vous a fait avaler comme sornette. Réfléchis bien à ce que tu fais, Annie. Pas seulement à moi, mais à Dougie et à Alicia, hein? Tu veux que mes gosses pensent en me voyant que j'ai été pour quelque chose dans le meurtre de leur mère? Tu trouves que c'est bien, Annie? Essaye d'y penser. Rien que toi et moi. Rien que nous deux. Il n'y aura que nous deux et personne d'autre. L'événement de cette matinée. 2 ans et 5 mois après l'assassinat de son épouse Wendy Mitchell, l'ex-officier de police Craig Mitchell a été condamné aujourd'hui à l'incarcération à vie pour avoir prémédité, avec l'aide de sa maîtresse Anne Nolan, le meurtre de sa femme. Mademoiselle Nolan, quant à elle, avait plaidé coupable de meurtre au second degré et a été condamnée à 10 ans de réclusion. Au procès de Craig Mitchell, elle a témoigné d'une façon très complète, relatant toutes les phases de leur liaison ainsi que les étapes fatales qui ont débouché sur le meurtre. Thank you.
Bonjour, Annie. Alors, vous m'avez pas oublié? Vous plaisantez. Asseyez-vous, je vous prie. Comment ça va? Ça va. Comment est votre vie maintenant? Elle est réelle. Elle est triste. Mais réelle, vous comprenez? Oui, je comprends. Je travaille à la bibliothèque et au bureau. Je suis une des seules à savoir me servir d'un ordinateur. Bravo, c'est très bien, Annie. Ça me fait trouver le temps moins long. Et vous, comment ça va? Comme toujours, très occupée. C'est bien. Vous prenez aussi des cours? Ah oui, des tas. J'ai beaucoup de projets pour quand je serai sortie. Vous allez m'en parler, j'espère. Eh bien, en tout cas, vous avez beaucoup réfléchi. Oui, c'est vrai. Et je pense souvent aux enfants aussi. Vous savez si Dougie et Alicia vont bien? Leurs grands-parents s'occupent très bien d'eux et ils ont l'air de se plaire dans l'Ohio. Le temps est écoulé. Je dois y aller. Je reviendrai vous voir bientôt.